Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la Grande Allemagne. Alors, oui, on avait... On voulait conquérir un petit peu... Non, affaiblir, voilà. Bah si, conquérir et affaiblir. Un petit peu l'Angleterre. Oh! Pas mal de pétrole là qui a été trouvé. Hein. Ah oui, non mais. Et pour ce faire, bon, on lui a déclaré la guerre et on lui demande les territoires en Inde. Ouais, je crois que tous les territoires en Inde deviendront allemands si je me trompe pas. Alors voyons voir où on est le degré d'agitation ici. La vraie question c'est si je construis quelque chose. 26 semaines. Ça va. Voilà. La répression a bien marché. La répression violente a bien marché. On va pouvoir construire une soixantaine de puits de pétrole, c'est parfait. Alors effectivement, vu que j'ai... conquis, qu'est-ce que j'ai conquis? Ah oui, la Norvège, je crois. Ah bah non! Le Nejd aussi, ouais. Quelque chose comme ça. Alors on en a 100 en construction, c'est bien. Ça fera toujours baisser le prix du marché, je suppose. Ouais. Par contre, il y a toujours un prix élevé sur le charbon, le soufre, etc. C'est fou. Enfin, pourtant, il me semble que j'en ai mis pas mal en construction. Hein. Si je vais dans le rural. Eh ouais. Mais ils ont même été construits, c'est ça le pire. C'est que j'en ai fait construire beaucoup, mais... apparemment c'est pas assez, c'est quand même... Ok, bon. Je vais remplir, enfin je vais aménager toutes les mines de soufre qu'on a. Voilà, même si la main d'œuvre ça va peut-être pas suivre de suite. Ça aidera à long terme. Oh, mais il se fait aider. Ah oui, mais non, c'est normal. Mais c'est bah zut, comment se fait-ce? Et ah oui, on avait dit du charbon aussi un petit peu. Mines en Westphalie, ah ouais. Bon voilà. On va avoir fait 140 mines à peu près. De charbon en plus aussi. Ça devrait être bon. Alors, l'anglais, parfait. C'est quoi son état capital? Ah oui, c'est là. On va préparer un débarquement. Mais je n'avais pas gardé hein, exprès. Je... Au front. Pigounakpour. Ah, j'en ai deux. Ah. Un des deux Hugo. Non, Hugo von Knorr. Hop là, c'est parti. Bon, il va mettre du temps à arriver. Oh la vache, et... Comment ça se fait que ça galère autant ici? Ok. C'est où? C'est aux capacités d'imposition insuffisantes. Voilà. On va refaire. Je peux pas faire d'administration gouvernementale. Je sais pas pourquoi.
Ok, c'est bon. Ça, c'est cassé. Je vais refaire ici. Ah, c'est là. Plus 10. Ah ouais. Ah oui, si, on a besoin aussi. Voilà. Ça devrait être pas mal pendant un moment. Oula! Alors, je suis désolé. Ah, il y a de la construction en cours. Là, on a rempli toute la file d'attente et est remplie. Ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir et en même temps, ça fait pas plaisir. Non, si ça fait plaisir dans le sens où ça va nous augmenter le PIB assez rapidement, mine de rien. Mais ça fait plaisir dans le sens où bah là le solde il a du mal. Ouais, le solde a clairement du mal. Est-ce que je peux l'aider d'une manière ou d'une autre? Bah non. Oh, le prix de l'acier. Enfin, tout ce qu'on consomme en acier, c'est impressionnant. Ouais, là, on fait une petite conquête. Allez, c'est reparti. En combien de temps ils arrivent, ma flotte? 17 jours. Dans 17 jours, on arrive en Irlande. On a déjà un avantage là au niveau du récap global. On se fait couler des navires ici. Bon bah on va escorter les navires là. Voilà, on va protéger nos navires. Parce qu'apparemment, on se fait couler quelques convois de ravitaillement. Canada, prenez votre revanche, allez Québec, allez Québécois, vous pouvez prendre votre revanche, les gars. Ouais, bon, ils font leur vie, tranquillou, là y a rien. C'est bizarre, je pensais en avoir envoyé pourtant. C'est pas bien grave. Bon, en même temps, ils ont pas vraiment non plus besoin de mon aide. La carte qui gagne en couleur, c'est agréable. Voilà, là notre débarquement, il va pas tarder à se faire. On est en train de leur mettre une petite piquette, je suppose. Les deux mauvaises visibilités, il y a du brouillard. Aïe aïe aïe, ça c'est beaucoup là. C'est fou, par contre, ça bouge pas du tout. Ah ouais, j'avais oublié. Ah, mais j'avais totalement oublié que j'avais des territoires là. Hein. Excellent. Et puis c'est peuplé en plus. Hein. Je suis sûr que c'est plus peuplé qu'actuellement. Oh la vache. Ok. Ok, ouais, ça va. Le nombre de constructions a baissé, et là on peut voir, là il a baissé de 3 000 et on peut voir qu'on a gagné 3 millions presque. Allez, ça c'est bientôt fini, vent violent. Mais vu, ouais, super. Ah, on gagne du monnayage, ça c'est bien. millions 4 en monnayage, ah, c'est fou. Ça fait plaisir.
ça y est. Oh mince. J'ai vu l'invasion navale a réussi. Ouais, ça se voit. Hop. Là, on fait une petite défense, c'est parfait. Ah, c'est bête ça. On a pas pris la capitale, dit. Effectivement, ils vont partout sauf là où il faut. Couillon, va, couillon de vous. Allez. Voilà, prenez-moi l'entièreté de cette province. En priorité. C'est bien d'avoir pris le sud de la capitale, mais bon, c'est mieux de prendre la totalité, quoi. Ah, ils en ont rien à foutre! les gars, je vous donne un ordre, vous le respectez ou ça se passe comment? Vendu. Pilleur de convoi intercepté, nice. Bah alors les gars, on n'arrive plus à piller correctement. Ouais, mais c'est normal, les constructions là qui sont. On n'a aucune en file d'attente, ça veut dire qu'on n'utilise même pas la totalité du. Ouais, des constructions, ça c'est plus dommage par contre. Là, comment ça se passe? Oh, ça se passe bien, on a conquis la majorité. Ouais, une petite bataille encore peut-être. Là, c'est bien. Là, ça a l'air d'être tombé. Hein. Oui, ils sont en 3 morceaux. Les révolutionnaires, c'est ça? Ah. Apparemment, je vais pas pouvoir prendre ce morceau-là. Bon, l'Irlande, c'est bon, c'est fait. Alors, on va faire ça. Voilà. Ah, ils ont envoyé du monde se défendre ici, ils sont mignons. Merci, c'est là où je voulais emmener. Oh, lui m'a fait tomber la grande majorité des territoires avec lesquels on a des frontières. Là, tout là, il y avait les petites îles, là, il y avait. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, pas loin de la Réunion. Zut. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref. Après, il y a tout ça qu'on n'a pas touché. Après, s'il peut s'en charger, il unit un peu tous les pays dans le coin. Moi, j'arrive et je lui dis, bon, bah maintenant, tu deviens mon état client. Ah, ce serait parfait, hein. Comme ça, je récupère longtemps l'ensemble de ces territoires. Allez, Canada, oui, c'est bien. Prenez Terre-Neuve. Par contre, ils tiennent, hein. Bon, tu me diras, c'est des îles, c'est un peu plus compliqué. Ok, on a un solde qui est correct. Mais. Je voudrais qu'il soit mieux utilisé là. Il y a de quoi faire. Largement de quoi faire. Bon, je vais aider un petit peu les constructions.
l'industrie automobile, apparemment, il y a besoin. Voilà, ça fera coûter un peu moins cher. Ok, on a bientôt gagné. Score de soutien, moins 18. Ouais, deux trucs de calcul et ça devrait être bon. C'est quand le prochain? 2 jours. Oh, il en faudra 3. Pas de chance. Ah, ça a pas joué à grand chose. Comment ça, mes convois ont coulé là? J'ai un mec qui est censé patrouiller là, c'est quoi ce bazar? Tu patrouilles très très mal là. Voilà. On propose la paix, bien évidemment, avec tout ça. Bon, je suppose que ça, je vais pas pouvoir l'avoir. Le sud, au sud des Indes britanniques. Au moins, on a tout récupéré. Ouais. Ça, j'ai pas pu l'avoir. On n'a pas tout récupéré. Ah oui, mais non, mais il y en a qui sont indépendants. Nagpur, Orissa et Bhopal. Bon, on ira les chercher dans l'Empire Chic. Ils ont pris cher aussi. Oh là là. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Puis on a dû encore les... Ah oui, les avait zappé ça. Et j'avais zappé. On a dû bien les affaiblir encore. Il reste deuxième. Non, c'est parce que les calculs ils sont pas refaits. Ouais voilà, ils ont perdu énormément de PIB d'un coup. Ok, prochaine cible les gars. Est-ce que c'est unique ici? Ouais, je vais annexer là tous ces petits pays là. À moins que... Non. T'as de Casimide. T'as du pétrole. Ouais, il y en a 13 hein. Il y en a 13. Le choix évité. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, honnêtement. Voilà. Bon, ça devrait être assez rapide, j'espère. Allez. On va réinitialiser tout ça. Parfait. Et on va modifier, bien évidemment. La production des bâtiments. Ouais, tac, tac. Ok, ça c'est bon. Ouais, forcément, là, au niveau des plantations, on va en avoir pas mal. Oh, les fermes de subsistance, il y en a un paquet. Là, 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 ouais. Voilà. Tout ça, c'est parfait. Faible accès au marché. Il y a l'air encore. Là où l'accès est faible, je vais blinder de voie ferrée. Voilà, je vais leur rajouter 10. Parce que j'ai l'impression qu'il galère en fait avec ça. Il est pas. Il n'arrive pas à faire de prévision en fait. C'est bizarre, j'en avais prévu, c'est bon, c'est pas grave. Haute Égypte. Palestine, en Syrie, en Udaven
Digar. Oh. Ankara. Voilà ce qui... Tobolsk. À Moscou. En Crimée. Oh, du pétrole. Ça, c'est bien. En Bessarabie. En Volhynie. En Svealand. Ça c'est pas vrai, j'ai l'impression que plus j'en fais, plus on a besoin. Hop. En phare. Ah oui, oui, au phare. Oui. C'est vrai que j'ai fait pas mal de puits de pétrole au phare, donc. En Minsk. À Alep. En Australie, j'ai vu après. En Australie occidentale. Ok, ça veut dire qu'il y a... Il y a du monde qui s'est ramené, c'est bien. En Westphalie. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait quelques mines. En Saxe. En Bassora. En Luster. Je suis sûr que les premiers que j'ai lancés en construction, ils doivent... Oh non, j'exagère. J'allais dire, ils doivent déjà être finis, quoi. Tellement ça a mis le temps. Dans les Flandres, et on se tire pour terminer. Ouh la vache, dans les Flandres, il y en a déjà pas mal. Voilà. Alors, du pétrole, cool. Hop là. Voilà. On a lancé pas mal de constructions. Ça se voit sur le budget. Mais cette fois, il n'est pas à 3 millions. Il est un peu plus. Là, on a un oléoduc. C'est bien. Ça me voit. Ouais, ils sont pas soutenus, ça. Ils sont inquiets. Peut-être qu'ils vont se rendre. Je dis bien peut-être. Disons qu'il y a une probabilité, quoi. Il est assez probable qu'ils renoncent. Surtout si son camp a beaucoup à perdre, enfin, il y a beaucoup à perdre. Pour avoir beaucoup à perdre, il y en a beaucoup. Dans tous les cas, par contre. C'est peut-être le problème. Bon, il va pas renoncer. Tad Casimir ne veut pas renoncer. C'est pas grave. On va lui mettre une petite fessée pour parler poliment. Hein. Oh, attends. Faire de Pueblo un pays fantoche. Je vais me rapprocher de Pueblo et je vais les aider. Parce qu'il faut pas que ça... Faut pas qu'ils reconquièrent... Qu'ils reconquièrent... Qu'ils les reconquièrent. C'est pas bon du tout. Donc je vais voir s'il me demande de l'aide. Et surtout s'ils veulent bien me proposer quelque chose. Parce que là, ce qui est embêtant, c'est ce qui serait bien dans le jeu, c'est de pouvoir rejoindre justement un conflit. Et leur dire par contre, en échange, je veux ça.
Ça, j'aimerais bien, mais... Ah, il demande que ça. Allez, demande-moi de l'aide, je suis là pour t'aider. Vais pas avoir le choix que d'aller les aider. Sans aucune contrepartie, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Hop. Je suis pas sûr de pouvoir arriver sur ces fronts. Ouais, je peux pas arriver là, sur ce front. Y a pas de frontière commune en vrai, c'est ça qui est embêtant. Bon, après, il va, je suppose, se concentrer un petit peu sur moi quand il va me voir arriver. J'espère surtout. J'espère. Bon, qui refasse des conquêtes sur ce que je lui prends, c'est pas ouf quoi. Ça perd tout l'intérêt que. Que je lui fasse sortir. Enfin, que je libère des pays si c'est pour les. Mettre en tant que fantoche juste après quoi. Après peut-être qu'il va abandonner, hein. Il est confiant lui. Ah, ils sont en banqueroute. Ah, ils sont en banqueroute aussi, attends. Attends, déjà je peux établir des colonies, où ça? Comment ça au Japon? Ok. Bon, alors oui, je voulais voir action des... Non. C'est où? Voilà. Je peux pas prendre en charge une dette. On va voir si c'est pas ça. L'Italie aussi? Maintenant la question c'est vont-ils accepter? Ah! Mais comment ça ils sont hostiles alors que je vais les aider? Je me suis pas trompé hein. Bah ouais. Je comprends pas. Je suis dans le même. Ah ouais, oui. Ouais, la famille allemande. Ça va. Bon, effectivement, il y a peut-être un petit souci. C'est quand même dommage, les gars, je viens pour vous aider. Hein. Par contre... J'espère que je vais arriver à temps, 20 jours. Oui, ça devrait être bon. Là, c'est en train de se finir tranquillement. Il devait y avoir quoi? Peut-être une bataille encore ou deux, le max. Parce que bon. Vu la taille du territoire qu'il a, ça prend plus longtemps. Faut pas déconner. Eh, ça met longtemps. Hein. Alors, les batailles sont. Apparemment rapide, moins pas trop longue. Révolution en Arabie. Ah mais non! Putain, j'en ai ras le bol moi. Comment veux-tu? Comment je peux conquérir?
tranquillement mes territoires. Quand ça fout le dawa comme ça, sérieux, bon. Bien sûr que ça va pas conquérir. Ah ouais, d'accord, ouais, super. Puis là, si je fais conquérir, j'ai encore que la moitié, c'est ça? Putain. C'est fou ça. Bon. Vraiment pas fou. Bon, je suis arrivé avec assez de troupes. Hein. Bah, là, il va se faire dépouiller. Hein. J'ai voulu l'aider, il a pas voulu. C'est pas mon problème. Transsibérien. Ah cool, ça fait quoi? À la mine. En voiture tout le monde. Plus 1% de production. Plus 200. Ouah, 200% d'activité migratoire, la vache. Ouais, c'est bien la mine. Ouais, c'est bien la mine tout le monde. Plus de production de mine. Ça me va. Bon, ça c'est perdu d'avance hein, à cause d'eux. Parce qu'ils sont. Ils sont pas malins. Seulement, je peux pas accepter son accord de paix à l'autre. Ça, en fait, ça va me faire perdre du temps plus qu'autre chose. Donc Knorr, Von Knorr. Tu vas aller là-bas et moi je vais envoyer quelques amiraux là pour faire des petits débarquements. Surprise. Alors toi, qui n'est pas mobilisé? Toi, tu vas aller avec eux. Toi. Ouais, c'est vrai que c'est long là-bas. Avec eux. Voilà. Ouais, parce que Pueblo. Pas trop doué, mes amis. Hein. On va voir au marché. Ah, malgré les bonus de production, il est encore bien cher hein, le charbon. La vache. Pardon? J'ai 859 000 en cours de construction là? C'est une blague? Non, ça a bugué. J'en ai pas du tout 859 en cours de construction. Alors c'était un problème d'affichage. Plus 8 et 59, je sais pas ce que c'était. Hein. Allez, c'est reparti. Voilà. À la mine. Putain, c'est fou quand même. Même pareil, eux, ça fait combien de temps qu'ils sont. Même problème. Bon, là, le Willow, il prend l'avantage, c'est cool. En vrai, ils ont tenu un peu, hein, dans tous les cas. Finito, finito plus pipo plus ratio là. Une dizaine de jours, j'ai les débarquements qui arrivent, là ça gagne, là ça gagne. Ouh. Combien je vais conquérir ici? J'espère un bon morceau. Ouais. Ah.
pas énorme. J'espère qu'ici ça va être mieux. C'est pas si pire. Ouh, bah il a renvoyé du monde chez moi, lui. Ouais, d'accord, il a construit à fond. Là, c'est bon. La vache, il en a envoyé pas mal aussi. Bon, heureusement, c'est des troupes pas ouf, mais... J'ai envoyé à fond du renfort pour essayer de libérer Pueblo ou au moins avoir une frontière commune avec eux. Enfin, front commune, un front commun, je veux dire, avec eux. Pour les. Pour pas qu'ils abandonnent. Parce que là, ils prennent tarif, quoi. C'est vrai que j'ai aussi un autre débarquement prévu là. Ici, ça va se faire tout seul. Juste laisser le temps au temps. Texas, ça a réussi, ils ont pas beaucoup de troupes. On est bien en solde là. Faut vraiment en profiter. Hein. C'est pas tout le temps que ça construise à balle. Ouais, j'ai des mines, ok. Ok, ça va. Ça va. Au niveau de la population. On a baissé le nombre de sans-emploi, il y a encore beaucoup de paysans. On a que 120 millions d'emplois rémunérés, ok. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus encore génial. Là, ça donne quoi là-bas? Ok, ça avance. Je peux pas voir parce que mal foutu. Ok. Ah oui, il est en Arabie. Attends, je vais lui demander d'avancer le front là-bas. Là, avec un peu de chance, il pourra avancer largement dans l'état de Pennsylvanie, c'est ça? Ouais. On commence à connaître un peu la géographie du coin. Là, ça a du mal. Ok, là on a les frontières communes. Ça c'est vraiment bon par contre. Elle est où leur capitale eux? C'est quoi? C'est un canyon là? Je connais pas moi l'Arizona tout ça. Pas de ville. Il y a zéro ville. Ah si là. Il y a 2-3 trucs là. C'est leur capitale, ok. Ah, c'est pas si simple. Hein. Ouais, quoi que oui, je suis bon. Ok, j'ai rien dit. Là, c'est lent, mais ça passe. Oh, on a fait une belle avancée. Ça n'a pas joué à grand chose en vrai. Si je gagne, je suis content. Enfin, je vais gagner dans tous les cas, mais si, on va dire, Pedro. Non, Pueblo. Pedro. Je me suis trompé de nom là encore. Si Pueblo.
Pueblo, non. Si Pueblo ne perd pas, ça mange. Ouh la vache! Ouais, bah là, ça va être une belle bataille rangée. Hein. 215 000 contre 275 000. Moi, ça reste à peu près stable. J'ai des blessés. Et j'ai beaucoup moins de morts que lui. C'est les hôpitaux de campagne, ça, hein, je suppose. En 50% de. Oh oui, quand même. 75% de taux de rétablissement. Oh putain. Dire qu'il n'y a pas longtemps j'avais ça. Je suis passé à ça. Eh ouais, c'est pas mal. On va pas changer. Ouais, les pertes qui se tapent là, c'est vraiment très agréable. Ouais, un double front. Ok. Il a perdu beaucoup là, il perd beaucoup lui. Je peux pas l'aider. Attends, quoique. Attends. Si! Oh là! Vite, envoyons du monde, envoyons du monde. Oh là là, envoyons du monde les dégâts. Et même si c'est possible ici. Ok. Une course contre la montre là, mais j'ai l'impression que ça va être tendu. Ah, non, non, n'accepte pas, n'accepte pas, sois patient. Tu vas voir, tout va bien se passer, mon ami, tout va bien se passer. Regarde, 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 c'est faut être un pouilla patient. Vraiment pas grand chose là, sa capitale elle tombe bientôt. Non! Non! Oh! Oui! Non! Attends. Putain. Les gars, je vous libère, c'est pas pour. Faites chier. Vous faites chier. Ah, je suis dégoûté. Technologie de radio. Ouais, c'est bien. Un peu d'autorité. Ah, je suis dégoûté. Bon. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ils ont combien d'états? Ils en ont deux. On va prendre ça et on va conquérir l'état. Voilà, j'ai besoin de ma petite vengeance personnelle là. Voilà, vu que je lui demande qu'un état en plus, il devrait accepter. S'il est pas bête. Ajouter l'objectif de guerre par contre. Interdire l'esclavage. Je peux pas faire changement de régime, c'est dommage. Ouvrir le marché. Et je vais en faire un pays fantoche s'il refuse. S'il veut se battre, ce sera un pays fantoche et ça me facilitera la tâche. Ouais, je vais tout faire pour qu'il abandonne. Ok. C'est bien, j'ai pas mal de pétrole. Hein. Hop. Plus 18, plus 19. Et plus 5. Ah, j'ai même de l'or dispo. Où ça? Ah, bah, Hokkaido. Ah oui, bah oui, j'ai commencé la colonisation. C'est vrai. Ça me fume. Par contre, ouais, j'ai pas de port. Ah, et ta population, la vache! Eh, 700 000, hein.
Ça déconne zéro. Là, il me semble que... Voilà, ici, on est en train de... Non, c'est pas là, je me trompe. J'ai pas commencé à... Ah, j'étais persuadé que j'avais... J'ai commencé à... À coloniser dans le coin, c'est où? Ah ouais? Ça, c'est compté comme étant du Sahara occidental? Oriental, pardon. Ah ouais, ok. Ok, ça me va. Bon, abandonnez rapido, les gars. Ça va chier des bulles. On va faire un petit tour par là. C'est vrai qu'on pourrait passer en anarchie tant qu'à faire. Franchement, on peut en demander. Mais pourquoi je peux pas? Légitimité moins 40. Ah ouais, non. Ah non, si ça me baisse la légitimité, je suis pas d'accord par contre. Pétrole découvert au Yémen. Ouais, super. Ouais, non mais. Pétrole découvert au Kyrgyzstan. C'est à moi ou pas ça? Ouais. C'est où ça? C'est rien, non? Un peu trop grand, moi je connais pas le nom de tout. Bonjour, bonjour, où c'est, s'il vous plaît? C'est là? Ok. Ouais, j'en ai découvert 4. Bon. On va pas cracher dessus. Ouais, on était il y a pas longtemps à 40%, plus de 40% du prix du marché. Là, on est à plus 23. On a divisé presque par 2. Enfin, non. Non, je dis des bêtises. Bon, on a bien fait diminuer le prix du marché. Bon, ils veulent pas abandonner. Oh. Oh. Ouh, ça c'est bon ça. J'aimerais bien les soutenir. Ah merde, je suis en trêve. Bon allez les gars, je vous soutiens, je vous donne tout mon courage en vrai. PIB, PIB, ah ouais, ils sont plus forts. Ça va chier des bulles. Ah, c'est bien, les avons. On leur a bien tapé dessus, ça veut dire. On les a bien morcelés en tout cas. Ah, partout. Attends, oh, c'est leur état capital. L'Ohio est en plein milieu. Ouf, ça a piqué. Bon les gars. Acceptez. Vous avez moins à perdre en me donnant juste la province au nord. Beaucoup moins à perdre. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins. Non, vraiment, j'insiste. Permettez-moi d'insister une fois de plus. Non, vraiment, me faites pas chier. Donnez-moi, ça va plus vite, en vrai. Non, ils vont pas vouloir. Bon, la rue, le pétrole, c'est saoul. Ok.
même très inquiet et... Il continue, bon. Il me semble que j'ai une frontière où c'est gratuit, là il n'y a personne. Voilà, bon, il y a pas grand monde, hein, de toute façon. C'est quoi comme troupe, je sais pas. J'aimerais bien voir. Ses troupes sont faiblardes comparé aux miennes, bien évidemment. Allez, allez. Ah, des troupes construites. Hein. Oh, oh, les troupes régulières qui se battent avec des fourches. Oh, c'est moche. Mince. Ça aussi, c'est moche. Ah bah tu m'étonnes que je lui foute une piquée. Bon, interdire l'esclavage, ouvrir, ouvrir. Alors là, les gars, vous avez touché le jackpot, hein, à faire vos intéressants là. Ah mais c'est son état capital ça? Bah non, son état capital c'est au sud. Pourtant il y a une grosse ville. Elle est où sa capitale? Ah c'est peut-être ça. Ou alors non. Ah, j'aurais bien aimé participer à votre fête, les gars, mais bon. Apparemment, j'ai pas le droit. Oh, quel dommage. Moi, j'ai vu que c'était la fête et tout. Ça avait l'air sympa, cool. Mais. Ça a oublié de m'inviter. C'est pas gentil, hein. Ce nom capitaliste américain nous a mis son embargo. Ouf, sans blague. Dis donc, ça m'étonne même pas. Voilà. De l'or. Non, du pétrole découvert. Ouais, c'est de l'or aussi. Enfin, c'est mieux que de l'or même. C'est clairement mieux que de l'or. Pas mal en plus. Oh, doublement. Il y a ici combien? Oh, 31. Oh la vache. Allez, gars, c'est parti. Ah, en plus. Combien on touche grâce aux dividendes? Oh la vache, les impôts de consommation. Bref. On touche 4 millions juste grâce au départ du gouvernemental grâce au pétrole. Oh la vache. Énorme. C'est énorme. Il abandonne pas, hein. En vrai de vrai, il baisse très très lentement. Il a perdu sa capitale et tout, mais. Conquérir en entier. Que veux-tu? Fais attention de ne pas avoir des doublons de troupes de ci, de là. D'être long, les gars. On va mobiliser ici, on va les envoyer parce que bon. C'est pas que c'est long, mais si, clairement. La nouvelle grenade. Les mosquitos. Ah non. Le mosquitia. Oh, intéressant. Ah non, c'est pas ça que je vois. Ces pays, c'est pas là. Non, ils sont sous protectorat. Alliance. Nicaragua. Ok. Bon, ici, ça avance bien.
C'est moi qui les ai faites? Ok, ouais, sûrement. Techno, techno. Macroéconomie, ouais, bon. On a presque plus rien en négatif. C'est quoi ce que je produis le plus en rab? Les voitures. Et les armes. Bon. Ça va bien avec, avec le style de gouvernement en place. Ça, en général, ils aiment bien ça. Oh, ça va être un long épisode. Hein. Ouais, je suis un petit peu dégoûté de la manière dont ça s'est goupillé en Amérique. Donc, j'ai voulu une petite vengeance avant d'arrêter. Voilà, on va prendre qui va. Bon, 128 encore. Il reste un pouillat de territoire là, ils sont confiants les mecs. Ok, c'est bon. Et là, de moins 128, il passe à... seulement moins 112. Oh. Moins 102, ouais. Au moins 15 par tour après. C'est la bonne nouvelle. C'est que ça devrait aller assez vite. Ouais, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser tranquillement comme ça, là, vers l'est, ici. Jusqu'à arriver au niveau des Indes, où là, je prendrai les petits territoires. Je prendrai les Indes. Je retournerai sur l'Arabie. Bon, peut-être, hein, comme d'hab, hein, ça dépend toujours de ce qui n'est pas prévu avant de retourner en Afrique, enfin, particulièrement sur la Tripolitaine où il y a un peu de pétrole. Après tout là, ça m'intéresse pas spécialement, il n'y a pas grand chose. On peut faire de la teinture, des trucs comme ça, mais c'est pas. Ça m'intéresse pas trop. Putain, moins 71, hey, va falloir les mettre à moins 100 ici, ah, purée. Je comprends pas. J'ai pas été trop méchant en plus. J'ai juste cliqué sur tout, on va dire, les demandes que je pouvais faire. C'est pas ça. Quoi, c'est l'esclavage qui vous pose problème? Il serait temps d'abolir quand même en 1923. Ah ouais? J'étais pas au max? On dirait bien. Cool. Ça va me faire consommer de la radio, ça c'est bien, ça va, je pourrais en produire un peu plus. Marché, c'est là. Peut-être pas en produire un peu plus parce que bon bah. On en produisait déjà assez. Ouais, 14, bon bah. Alors on va en finir avec qui va. Révolution Sud-Afrique. Hein? Eh ben dis donc, ah ouais, il y en a partout. Oh, je les ai oubliés là, tout petit là, ici. Oh, c'est mignon. Avec mon petit port de traité encore plus petit ici. Ok. On a un nouveau territoire. On va incorporer. Voilà. Et ensuite, je vais enchaîner sur le Macron, je pense. Il a quoi? Il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de plomb, pourquoi pas. Le signe exige que nous mettions fin au statut de fantoche. Eh bah ben écoute mon ami, t'as bien fait d'ouvrir ta gueule. Tu vas être le premier. J'hésitais,
T'aurais attendu un peu, ça serait pas passé pareil. Ouais, tu seras le prochain pour le prochain épisode, ce sera toi le premier. Hein. Voilà, tu sais quoi, je t'envoie même tout ce qu'il faut. On prépare tout. Comme ça, j'aurais même pas y pensé, j'aurais même pas hésité, j'aurais même pas à dire oh machin, hop. Tu veux ta liberté? Ah, la bonne blague, dis. En tout cas, je suis très content parce que je vais annexer un territoire dans lequel les gens ont un très bon sens de l'humour. C'est parfait. Voilà. Merci d'être passé. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode un peu long, 1h01, vous aura plu. On se retrouve, je sais pas si je crois que c'est l'épisode du vendredi là. Bah, ça doit être lundi prochain si je me trompe pas, pour eh ben, le prochain, pour la conquête des Sindes. Yes. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.